Mariamaba a vu le jour en 1929 à Dakar. Elle perd très tôt sa mère et c'est sa grand-mère maternelle de confession musulmane et très attachée à sa culture traditionnelle qui se charge de son éducation. Son père, Amadou Nieliba, était le ministre sénégalais de la Santé à l'époque de la loi cadre en 1956. Élève à l'école normale des jeunes filles de Rufusque en 1943, elle est jugée brillante en français par ses camarades d'école. Après de brillantes études, elle obtient son diplôme d'institutrice en 1947. C'est ainsi qu'elle assume sa fonction d'institutrice pendant 12 ans. Mariamaba, divorcée, mère de 9 enfants, a été l'épouse du député Obey Diop. Elle dit avoir subi deux influences déterminantes sur le plan scolaire. D'une part, celle de Madame Germaine Le Goff et de Madame Berthe Maubert, femme blanche évoquée dans le roman d'une si longue lettre. D'autre part, elle bénéficie de l'encadrement de son père qui, à chaque retour de voyage, lui amenait des livres et lui demandait des comptes rendus de lecture. Son premier roman, Une si longue lettre, est publié en 1979. Cet ouvrage connaît un très grand succès, aussi bien au Sénégal qu'à l'échelle internationale. Il est traduit en plusieurs langues et obtient le prix Noma en novembre 1980 à Francfort, en Allemagne. Son second roman, Le Champ écarlate, est publié en novembre 1981 à titre posthume, car l'auteur Mariamaba est décédé le 17 août 1981. On retiendra d'elle que c'est la première romancière africaine à contester la place faite aux femmes dans la société africaine. Elle fait partie des pionnières de la littérature sénégalaise. L'école des jeunes filles de l'île de Gorée, la maison d'éducation Mariamaba, porte son nom pour lui rendre hommage.